Des images horrifiantes, choquantes. Un dur rappel des réalités de la guerre. Plus de 51 Ukrainiens ont péri dans une attaque de missiles russes sur le village de Troza, dans la région de Kharkiv. Ils étaient réunis pour une cérémonie en mémoire d'un défunt quand le missile est tombé, dit cet homme. Il a perdu sa mère, son frère et sa belle-fille dans l'attaque. Maman. Un café et une épicerie ont été pris pour cible. La communauté internationale n'a pas tardé à condamner la Russie. Can you imagine just walking to the grocery store with your kids, trying to figure out what is it that you're going to make for dinner, and you see an explosion happen, where bodies are everywhere, and it's horrifying. Le président ukrainien a aussi appelé à plus d'aide en défense aérienne. 50 civilians were killed during the funeral. Russia does this every day in the Kharkiv region. And only air defense can help. Le président russe Vladimir Poutine, lui, est certain qu'il remportera la guerre. Le tir de missile sur Troza serait un des plus meurtriers contre des civils depuis le début de la guerre, affirment les autorités ukrainiennes. Le conflit, lui, continue de s'enliser dans l'est du pays, alors que les forces ukrainiennes commencent à manquer de munitions. Catherine Bouchard, TVA Nouvelles, Montréal.